Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, aujourd'hui on est samedi, je suis... Je vais vous montrer. Voilà, un chat qui lâche pas l'affaire. Tu le fais bailler, tu vois, tu l'ennuies, mais... Le pauvre, attention, ces petites griffes. Lâche. On est chez la madre. Mets tes doigts. Non. On est chez la madre avec la potétose. Il est quelle heure, là? Il est quelle heure? Comment ça marche, ton truc, là? Midi 24. On vient de se commander au tacos. Quoi, là? J'ai reçu un message, donc j'ai coupé. Rien. Mais non, c'est son truc, là, avec de la drogue de chat dedans. La drogue de chat. Ah, oh, on n'a pas Cora, là-haut. Oui, ouais. On va aller chez Action, après. Mais là-haut, pas en bas. Petit bébé. Petit bébé. Voilà, on va faire une heure de vlog avec Sushi qui mord son truc. Je vais lâcher un petit cadeau au chat Nico. Oh. Si on le trouve. Allez, c'est mère. C'est bon, mon cœur, mais il te manque une dent. Regarde, il lui manque un croc devant, là. ASMR. Voilà, c'est... Lui, l'ASMR, il se pas, lui. Ça l'énerve, lui. Là, c'est plus l'ASMR, c'est l'ASSR. Bon, après la vie du chat, qui apparemment a failli tuer un oiseau, on va vous montrer, parce que donc, on est chez la madre, il y a la potétose qui reprend l'école après demain, et... Il rentre en sixième. Et oui, Jamie. Et oui, Jamie. C'est qui Jamie? C'est mamie Jamie? Si, je suis pas sorcier. Bah oui, je sais, mais c'est mamie, c'est pas moi. Et il y a des morceaux de sur le partout. C'est pas toxique ça? Mais non, c'est fait pour lui. Mais c'est fait exprès. C'est sa drogue. Bah ça lui fait ses dents comme ça. Bref. Mais c'est fait exprès pour faire les dents. Donc pour la rentrée, on a été lui prendre des petits vêtements. On est bien. Voilà. Bon, ça c'est pour moi, c'est pas pour lui. Tu parles de vêtements à toi et tu montres. Mais on vous reprendra tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore été chez Action. Parce que là, oui. on a commandé tacos là. Donc on attend qu'il nous livre. On va bien manger. On va bien manger. Et puis du coup, il s'est pris des vêtements. Bon, on a pris des vêtements pour Potatoes. For me. Non, ça c'est pour mamie. Alors, déjà, regardez à la halle. Il est incroyable. Il est trop beau. Oh, la couleur. La couleur est plus beau que le dessin. Ouais, grave, mint comme ça. J'ai une paire de Jordan qui a la même couleur en plus. Et donc, bah, c'est Naruto. Tu et ça, si tu veux. 29,99€. Tata, pour, avec la paire, tu pourras me le piquer si tu veux. Et c'est Kuli, c'est sa coucou. Sa coucou. Sa coucou. Sa coucou. Sa coucou. Et ensuite, chez qui habille sa coucou. C'est le blanc. C'est le blanc. Il s'est pris chez Kiabi une petite doudoune comme ça, sans manche, noire, parce qu'il en avait une mais pas noire, 22€. Et il dit, la doudoune, elle est presque au même prix que. Ouais. Hop. Il y a pas de poche. Si, il y a des poches. Ah, des poches à zip. Oh, trop bien. Tu vas pouvoir cacher des secrets ou mettre des cailloux dedans. Je vais mettre mon petit dit secret dedans. L'autre, elle a pas de poche, ça bleu. Non. Tu vois, c'est bien avec des poches. Toujours chez Kiabi, il s'est pris un petit cargo comme ça, noir. Et il est bien parce qu'il est élastiqué derrière. Hop. Il n'y a pas d'ouverture. À 25€. Bah si. Il y a un bouton. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de fermeture à clair. Bah si. Mais parce que je dis, pour la taille, c'est mieux un élastique. Donc 25€ et la matière, elle est légèrement extensible. Donc ça, c'est pas mal pour rentrer son gros derrière. Non, bah non. Bah il est grand lui. Et il a pris un t-shirt One Piece, comme dirait la madre. Non, tout à l'heure, on s'est senti One Piece. One Piece. Comment tu dis? One Piece. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je suis avocat. Oh. Oh. Et je mange des. 13€. Des avocats. C'est bon, les avocats. Moi, je 13€. Et puis, du coup, il y avait une petite collection comme ça avec léopard. Des petites chaussures. Et il y avait noir, mais noir, j'ai déjà. Mais j'ai pris léopard à 15€ aussi, je crois que celle-ci. 15€. Voilà. Et Sushi. Ah oh ouais, Sushi, il a dégommé ça. Ouais. Le pauvre. Je vais pas non, parce qu'il joue quand même avec. Il y avait des belles plumes au bout. Bah, elles ont pas fait longtemps. Après, on a encore en derrière. Lui, bah là, il s'est endormi, ça y est. Ensuite, on est parti chez Cash Converter. Parce que là-bas, il y a toujours des mangas, des pop et tout.
Les 4 euros le manga. Ouais, et du coup, il s'est pris des mangas. Alors, il s'est pris déjà 3 tomes. Les 3 premiers tomes. My Hero Academia et les Gold. De Vigilante, c'est My Hero Academia, mais illicite. Illégal, pardon. Illicite. Illicite. Et donc, il a pris ça, et le mec, il était trop gentil avec nous, et il lui a offert un autre manga. Donc, il a pris La Taille des Titans. La Taille des Titans. Comme dirait mamie, La Taille des Titans, mais c'est le 20 celui-là, La Taille des Titans. Bah, il a complété, du coup. Tu l'as pas celui-là? Bah, non. Mais non, sinon, il le prend pas. J'ai du 1 au 18, au 19, et du coup, là, j'ai le 20. Et voilà. Et il y en avait plein d'autres encore, donc. Mais. J'ai pas pu prendre à là. 3,99€ au lieu de presque 7 euros. Au lieu de 7 euros le manga. Ouais, 6, fait... entre 6 et 7. Tu vends tes livres que t'as en trop. Bah, s'ils leur prennent 1 euro, ça sert à rien. Enfin, c'est voilà. Bibliothèque. C'est ça, bibliothèque. Bon, on attend le mec des tacos. Moi, je me suis pris un tacos falafel. On vous montre ça. Moi, je prends un tacos de viande. Bah oui, du viande, forcément. On vous montre ça tout à l'heure et puis on ira chez, on ouvre, chez Action. On les ouvre, on leur montre. Mais on les mange aussi. On vous montrera et quand on mâchera. Lidl. Ah oui, puis on doit chez Lidl aussi. Lidl. Ça y est, on a eu nos tacos. Ça va être trop bon. Moi, j'ai pris falafel, la sauce fromagère, avec du boursin et sauce curry. Et toi, t'as moi, j'ai pris tenders. Cordon bleu. Cordon bleu, sans sauce fromagère, sauce burger. Avec sauce burger. Voilà. Et maman, elle mange une tomate farcie. Nouvelle journée. On est dimanche. Et oui, il est. Il va être 10h, je pense. Je viens de finir de me préparer. Oh, j'avais envie de rester au lit ce matin, mais. Non. Il est 10h15. Ouais. Cette petite chose-là. J'ai mis les nouveaux draps que j'ai achetés la semaine dernière chez Leclerc, je vous ai montré, et un plaid, mais ça je vous le montre dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Voilà. Du coup, hier on vous a pas repris avec patate et tout ça, enfin chez ma mère on vous a pas repris parce que on est parti chez Action et on a trouvé plein de trucs. Comment tu me regardes toi? On a trouvé plein de trucs, donc on a fait un haul improvisé avec mon téléphone. J'étais pas maquillée, rien, mais bon, c'est pas grave. On a fait ça dans la salle et tout. Ta tête. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas repris, parce que finalement, on a préféré faire une vidéo dédiée. Donc voilà, j'aime pas trop les vidéos comme ça, où je suis à l'arrache. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça a fait plaisir au petit, en plus, il apparaît sur la vidéo. Bon, il a des lunettes... Mais il est quand même là. Et bah voilà, du coup, c'est pour ça que je vous ai pas repris. Après, hier soir, j'ai mangé chez ma mère. On a terminé les restes, parce que moi, un tacos, ça me fait 30 repas plus si affinité. Voilà, ma mère, elle aime pas ça. Donc, c'est pour ça qu'hier, elle a pas commandé tacos. Elle dit, ah non, non, moi, j'ai une tomate farcie. Je mange ma tomate farcie, c'est pour ça. Pour ceux qui diraient qu'on lui a rien pris hier à manger. Non, non. Donc ouais, on a trouvé plein de trucs chez Action. Donc, vous verrez hein, une vidéo haul exprès. Et aujourd'hui, bah là, je vais pas tarder à partir. Je vais chez mon frère. Là, je vais chercher ma mère et ma patate, qui sont donc chez la madre. Ils sont là-bas. Je vais les récupérer. On va passer la journée chez mon frère avec ma belle-sœur et mes nièces avant bah, la reprise demain de l'école. Voilà. Et ouais, parce qu'on les a pas vus depuis, depuis mon anniversaire. On les a pas vus, les petites, bah, même mon frère. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une petite panne sur ma voiture. Bah si, ça m'avait laissé sur le bord de la route. Mais c'était rien de grave, elle était repartie au final. Et il fallait commander une pièce. Et mon frère l'avait commandée. Et là, il me dit, bah cet après-midi, je te mets la pièce. Donc voilà, apparemment, ça va être rapide. C'était un truc par rapport au turbo de je sais pas quoi, une sonde qui arrive jusqu'au turbo. C'est pour ça qu'elle qu'elle bipait. Là. Bon bref, mais elle roule très bien. Depuis, ça me l'a parfait. Hein. Donc cet après-midi il va poser ça parce que ça fait déjà un mois qu'il a mes pièces et puis ils ont un nouveau chat, un petit chaton, comment il s'appelle déjà, Pépite, voilà. Ce que ma belle-sœur avant d'emménager avec mon frère, donc qui se marie et tout, elle avait une chatte Indy que d'ailleurs vous aviez déjà vu sur ma chaîne parce qu'à l'époque ils étaient partis. Alors, je vais vous raconter ma vie, j'en ai pour 5 minutes, même pas. Ma belle-sœur a un de ses frères qui habite au Canada. Donc, ils étaient partis à Noël et tout ça au Canada. Et j'avais récupéré leurs deux chats. Pas deux, leurs deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mina, elle avait à peine un mois. Elle était toute petite.
Et j'avais du coup 3 chattes à la maison. Et donc Indy. Et bah du coup ma belle-sœur l'avait déjà avant qu'ils se mettent ensemble. Et elle est décédée, je crois que c'était au mois de mai. Ouais. Elle est décédée de vieillesse, hein. Elle est morte dans son sommeil, petite mère. Et puis bah du coup bah, ils ont décidé d'en reprendre un autre. Voilà. Donc je vais aller découvrir ma nouvelle nièce. Hier chez Action, on n'a pas trouvé de jouets pour les chats, quoi. Le Action de Cora à Dreux, il n'y a jamais de jouets pour les chats. Non. Donc bon, bah, c'est pas grave, je pense qu'elle a déjà... Donc il y a leur première, enfin leur deuxième chatte qu'ils avaient prise ensemble, Lilou, que vous avez vu du coup aussi chez moi. Et puis voilà, les trois, elles étaient trop mignonnes à la maison. Donc là, on va découvrir Pépite. Donc quand je vais rentrer, je vais sentir le chat que tu connais pas. La tête. Bref, donc je vais y aller, je vais là-bas, parce que mon frère il habite loin, il habite à plus d'une heure de chez moi, donc let's go. On va bien manger, je crois que c'est barbecue. Bon, hier il pleuvait à fond les ballons, mais aujourd'hui apparemment c'est un peu couvert, mais il va faire jusqu'à 27, donc ça va. Mais il va pas pleuvoir, et c'est le plus important. Et oui, je me suis pas coiffée, j'ai mis une pince que j'avais prise chez Action, et c'est tout ce qui compte. Voilà, allez go. J'y vais. Ouais, je vlog. Il y a mon frère qui est en train de faire ma voiture. Moi, je suis posée avec ma mère et un petit thé. Il est en train de faire la voiture. Regardez-moi ça. Bon, vous le voyez pas. T'inquiète, on te voit pas, on voit pas ta tête. De toute façon, on va te voir. Hein. On va finir par te voir. Hein. Pourquoi? Bah, si toi et moi, on va faire de l'urbex ou on va aux catacombes. Ah oui. Forcément, on va te voir. Hein. Non, je vais m'amuser à le flouter. Hein. Vous allez faire une enquête? Ouais, si, on va finir par en faire. On va faire une enquête paranormale. Par contre, on voulait aller au château de Trigé le week-end. Ouais, on voudrait faire ça aussi. Par exemple, je sais, quelqu'un peut m'ouvrir ça? Bah, les prix, c'est à peu près 150 €. Bah, attendez, je vous reprends. Ouais, du coup, on se disait, parce que j'étais en train d'ouvrir, mais c'est ça là qu'il est en train de me changer sur la voiture. Le truc du turbo. On disait que ouais, c'est 150 €. La nuit, mais t'as petit-déj, repas, et t'as le truc avec la médium, les activités de groupe. Et sinon, si, c'est à partir de 90, je crois, mais 90, t'as pas la nuit, t'as pas tout ça. Et après, t'as un autre truc où t'as juste le petit-déj ou le repas, enfin, je sais pas. Il y a trois trucs au truc de Fougeray. Il y a trois sessions. Et moi, je veux passer une nuit complète, tu vois, et autant prendre à manger et tout. Il y a du soleil, il fait super chaud. Vous avez que l'arrière de la maison, là, parce que la maison elle est grande. Vous voyez, il y a tout ça encore, mais bon, je vais pas vous montrer. Et on a découvert notre petite nièce. On a fait la rencontre avec ta petite fille. Elle est trop mignonne, elle est toute orange. Tout à l'heure, si j'arrive à vous la trouver, je vous la montrerai. Mais elle se planque, elle est toute petite, elle peut se planquer partout. Allez, go. Nouvelle journée. On est lundi, c'est la rentrée. Enfin, la rentrée pour pas mal de petits lutins. Voilà. Parce que moi, j'ai un de mes neveux qui reprend que demain. Voilà. Donc, je suis prête. Là, il est 9h et quelques. Je m'apprête à aller chez la madre. On a 2-3 petites courses à faire et tout. J'ai aussi un colis qui va arriver. Bah, j'avais un chat et j'ai plus de chat. Elle est partie faire sa rentrée. Ouais, donc là, je m'apprête à partir. On va faire 2-3 courses et tout. J'ai envie d'aller chez Action. Je vais essayer de voir chez BM si tout est... Enfin, s'ils ont commencé à mettre les décos d'automne et d'Halloween. Parce qu'elle m'avait dit que c'était cette semaine. Bon, on n'est que lundi. Mais bon, voilà. Et puis, je vais à 4h30. Je vais chercher Patate à l'école. Son premier jour en 6e. Voilà. Il était un peu stressé. C'était un petit peu la peur de, bah, du nouveau et tout. Parce que là, il est vraiment dans un collège. Pas à côté de chez lui en plus, c'est ça le pire. Il est obligé de prendre le bus et tout. Bon là, aujourd'hui, ma soeur, elle l'amène. Mais voilà. Là, je vous raconte. Bon, il y aura plusieurs mamans, des tatas et tout. Donc voilà, je sais qu'il y en a, ça énerve. Qu'on parle de la rentrée et tout ça et tout ça. Mais bon, c'est pas grave.
Et du coup, lui, il commence à 14h. Ma sœur doit rester avec lui. Il y a la présentation du collège, des profs, des machins, des activités et tout. Avec les parents jusqu'à 15h30. 15h30, je crois. Et après, il part à 16h30, lui. Voilà, il reste une heure tout seul. Donc, enfin, tout seul, avec ses profs et tout. Demain, il a pas école. Et mercredi matin, bah, ça y est, c'est parti. Sachant que, voilà, avant, il n'avait pas le mercredi, mais bon. Voilà, il a un petit peu eu une vision de ce que c'était avec son cousin qui, cette année, va rentrer en cinquième. Donc, bon. Mais bon, il appréhende de ouf. Voilà. Donc, bon, bah, ce soir, on lui a dit qu'on lui faisait une petite soirée avec son harem, ses nanas. Donc, ma mère, ma sœur et moi, on va faire une soirée pizza et tout ça. Donc, on va aller acheter tout ce qu'il faut. Et puis, voilà. Hier, je vous ai pas repris chez mon frère, je vous ai pas montré Pépite. Parce qu'elle arrêtait pas de courir partout et de se planquer. Elle a encore trop. Enfin, elle a 3 mois. Mais bon. Elle est trop mimi. Et puis après, bah, mon frère, il a fini de réparer la voiture. Et puis, on est parti de chez mon frère vers 17h. Ouais, voilà. On voulait pas partir trop tard parce que bah, les petites avaient école aujourd'hui. Donc voilà, j'ai chaud. Vous avez vu, j'ai mis les boucles d'oreilles Harmonie d'ailleurs. D'ailleurs. En parlant d'Harmonie d'ailleurs. D'ici quelques jours, vous allez voir un petit truc passer dans les vlogs, je vous dis rien, mais bon, vous avez peut-être vu déjà dans la miniature. Mais bon, je porte une de ces créations qu'elle m'a envoyée, regardez, avec des feuilles d'or. Et ce fermoir, c'est 24 carats, le fermoir et tout ça. Et franchement, elles sont super légères. Je sais que Nani, elle les a aussi reçues et elle les porte, ça lui va trop bien. Donc voilà, et là, normalement, aujourd'hui, chez ma mère, je reçois un colis. Donc j'ai préparé mon ordinateur, je prends ma caméra et puis comme ça je pourrais travailler un petit peu chez ma mère. Ah, ben oui, pour pas changer, hein. Bon allez go, même si on a le temps. Et puis bon, on se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard, on est chez la madré. Hein, on est chez Sushi. Ah oui, t'as raison. Il est en train de dormir. On vient de rentrer, on a été faire nos courses du coup au Grand Leclerc de Barjouville, c'était pas prévu. Là, il est quelle heure? Il est 15h45. Ouais, je pense 14h45. Que... Oui, pardon. Je pense que ma sœur va pas tarder à nous rejoindre. On a acheté deux... Enfin, non, parce que c'est 15h30 elle. Jusqu'à 15h30 avec les profs. Va venir après, puis après on ira chercher patates. On a acheté des trucs chez Action, on va vous montrer vite fait chez Kiabi. Mais j'ai reçu un super colis d'une super coquette. Tu vas comprendre ma mère du coup. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec une personne, un amour, une personne vraiment, ça fait du bien de rencontrer des personnes aussi, comment expliquer, aussi humaines. Le feeling est trop bien passé entre nous. Et je vous explique un petit peu. Donc en fait, c'est Marion. Et Marion a une marque qui s'appelle... Enfin, elle a un site internet qui s'appelle Super Coquette. Je vous explique un petit peu. Marion, en fait, est prothésiste ongulaire. Elle travaille... Enfin, prothésiste ongulaire sur... si, elle a son compte. Mais sinon, elle travaille avec les enfants et tout ça. Mais à côté, elle a... Elle touche un petit peu... Enfin, elle touche... Elle a son diplôme, enfin qui n'est pas un diplôme mais un certificat de prothésiste ongulaire. Ouais. Et en fait, ce qu'elle disait, parce que du coup on a papoté pendant pas mal de temps au téléphone justement pour qu'elle m'explique un petit peu son parcours et tout, ce qu'elle m'expliquait, c'est que pendant justement qu'il y a eu le confinement et tout, elle cherchait un petit peu à se renouveler et tout ça, et elle a décidé, et puis en parlant aussi avec ses clientes et tout ça, qui était frustrée de ne pas pouvoir faire des poses en gel et tout ça et tout ça, elle a décidé de se lancer dans tout ce qui est press on nail. Vous savez, les press on nail, c'est ce que je porte, c'est les ongles que vous venez coller avec des patchs. Et du coup, bah voilà, si vous voulez, par exemple, elle qui travaille avec des enfants, les press on, c'est pratique parce que au travail, elle n'a pas forcément le droit d'avoir des ongles et tout ça. Et avec les press on nails, vous les mettez et puis vous pouvez les retirer quand vous voulez. Après, vous les remettez, etc., etc. C'est réutilisable à l'infini. Et du coup, ça n'abîme pas les ongles. C'est vraiment top. Et pour les personnes aussi qui ont
des maladies ou trucs comme ça, ouais. Et puis, c'est ma mère, elle me montre ses ongles. Tu veux que je te fasse des pressons? Et du coup, c'est cool. Et moi qui avais complètement flingué mes ongles avec le gel et tout, je trouvais que le principe du pressons, c'était trop bien. Et elle m'a contactée, elle m'a dit voilà, je te montre un petit peu, je t'explique un petit peu ce que je fais, et puis à ce moment-là, je te montre mes créations aussi. Et elle m'a envoyé un colis avec des pressons que je vais pouvoir mettre sur mes ongles. Alors, je vous réexpliquerai un petit peu après comment on fait, mais je vais vous faire la semaine prochaine, je vais changer ma pose du coup pour mettre une des poses, parce qu'il y en a plusieurs boîtes. Pour mettre un des kits qu'elle m'a envoyé. Et puis, comme ça, vous verrez. J'ai déjà fait des vidéos où je vous montre comment on enlève et comment on met les pressons pour que ça tienne et tout. Vous la retrouvez. J'ai une playlist qui s'appelle Nail Art sur mon YouTube. Hein. Vous retrouvez tout dans les playlists. Il y a des playlists à chaque fois. Donc là, je vais ouvrir. Et donc, elle propose des kits donc qu'elle fait elle-même. Tous les modèles sont uniques. Je reprends son mail parce qu'elle m'a tout expliqué. Tous les modèles sont uniques. Mais il y a possibilité, à la demande, si un kit est plus disponible, etc., de le ravoir. Et pareil, si vous avez des envies bien particulières, vous pouvez également la contacter. Je vous remets tout en barre d'infos. Je ne suis pas rémunérée, hein, bien sûr, pour vous en parler. Mais c'est vraiment... voilà. Et donc, ce qu'elle m'a montré, c'est vraiment top. Il y a plusieurs modèles sur son site actuellement. Et c'est vraiment le travail d'une prothésiste qui fait du nail art et tout ça sur des pressons qui sont de bonne qualité et tout ça. Comme ça, vous pouvez encore une fois vraiment mettre vos ongles et les garder sans abîmer vos ongles en dessous, quoi. Et voilà, sans... si vous voulez les mettre pour une occasion particulière aussi. Voilà, sachant que les pressons, on les jette pas. On les jette pas. Vous venez... bon, après, ça dépend, ça, c'est des caca-proutes. Mais ceux que j'ai qui sont plus de meilleure qualité, on va dire, je les enlève et je les jette pas, je les remets après. Vous avez juste enlevé la petite pastille collante en dessous et tout, et c'est trop bien, c'est réutilisable et tout. Et là, c'est vraiment fait dans des boîtes et tout ça, vous allez voir. Donc c'est top. Donc les coffrets se composent de 20 capsules, il y en a 10 du coup pour chaque main, donc c'est adaptable à toutes les morphos. Voilà, si vous avez des ongles plus ou moins large, peu importe. Il y a également proposé sur son site plusieurs longueurs, et elle propose également des capsules, des pressons pour les pieds. Voilà, ça on en trouve de plus en plus. Voilà, ouais, effectivement, avec un grand choix de taille pour trouver voilà, chaussure à son pied, ongle à son doigt. Alors, chaque kit comprend des lingettes, enfin une lingette désinfectante, un mini buffer, une mini lime, ah ouais, un buffer, un bâton de buis et une plaque de gel pad. Et après, vous avez la possibilité également de commander des gel pads à l'unité sur son site, et une notice également pour vous expliquer comment les poser et tout. Donc ça, c'est top. Et je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus. Je voulais dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Ça va revenir. Donc, il va y avoir une collection, là, automne-hiver, qui va pas tarder à arriver sur le site. Elle a déjà plein de modèles qui sont proposés. Je suis désolée, il y a le train qui passe. Elle a déjà plein de modèles qui sont proposés sur son site. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous avez des modèles en particulier, voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que les ongles qu'elle propose, ce sont des faux ongles, en fait, en gel. Donc du coup c'est pratique, et on en a bien discuté toutes les deux. Vous pouvez effectivement les coller avec les patchs, moi c'est ce que je fais, ça tient pour moi, vous voyez, hein, j'en ai depuis des années, moi ça tient entre 2 et 3 semaines, voilà, alors que je fais la vaisselle, je prends des bains, je fais le ménage tout le temps et tout. Et qu'est-ce que... je sais plus du coup. C'est la fatigue. Oui, voilà, c'est des gel pads, donc vous pouvez également les catalyser si vous voulez vraiment vous faire genre une pose américaine. Vous pouvez également le faire, mais du coup après, bah, vous pourrez plus les réutiliser une fois que vous les enlevez. Donc, hormis tout ce qui concerne les pressons, elle a quand même son activité de prothésiste ongulaire, donc elle se déplace chez les gens. Elle m'a donné la liste. C'est autour de Toulouse, elle m'a donné la liste de toutes les villes où elle se déplace.
Je vais toutes vous les lister dans la barre d'infos parce qu'il y en a pas mal là, donc je vais pas tout vous redire. Voilà, donc après elle explique un petit peu, voilà, au niveau des kilométrages et tout ça, donc ça après tout est indiqué, n'hésitez pas même à la contacter pour le savoir. Et puis voilà, je vous remettrai son Insta et du coup son site et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Et franchement je suis trop contente parce que vous savez que moi les pressons j'en ai tout le temps depuis des années et c'est trop bien. Elle m'a envoyé plein de choses. Regardez. Donc c'est son logo, c'est super coquette. Donc elle fait tout à la main bien sûr. Elle m'a envoyé plein de trucs. Et alors pourquoi super coquette? C'est parce qu'elle est fan de tout ce qui est super héros et tout ça. Là j'ai un kit qui est un peu plus grand. Donc on va regarder. Je découvre hein. Franchement là il y a encore des kits, il y a plein de trucs. Alors il y a encore un autre kit. Là elle m'a mis un petit mot. Elle m'a mis effectivement la petite pochette avec le buffer. Elle l'alime, les gel pads, il y a même deux, enfin il y a plein de trucs. Le bâton, les lingettes et tout, ouais c'est ce que, ouais. Donc elle m'a tout mis. Hop, je vais lire parce qu'elle m'a mis un petit mot. Mais sinon, hop, pour la contacter aussi si vous êtes dans le secteur pour pouvoir effectivement avoir une prestation de prothésiste ongulaire. Ou voilà, ou pourquoi pas également... à faire la commande et tout ça. Sur son site, vous pouvez régler en carte bancaire uniquement. Et voilà, et elle envoie en Colissimo. Je lis tout ça. Et puis, on va découvrir les kits ensemble. Alors, j'ai lu son petit mot. Donc, elle me dit qu'elle m'a envoyé 3 kits. Un kit qu'elle a créé tout spécialement pour moi, qui s'appelle le kit Ambre. Donc, si vous souhaitez le retrouver, comme je vous ai dit encore une fois, n'hésitez vraiment pas à la contacter. Et elle a mis un kit également pour la madre. Merci. On verra parce qu'elle n'a pas l'habitude de porter ça. Elle met rien du tout. Bah, c'est l'occasion. Bah, des formations professionnelles, comme tu es infirmière, jamais de ta vie. Les bijoux, les vernis, les trucs comme ça, elle n'a jamais porté, ma mère. J'ai jamais vu avec du vernis sur les... Très, très rarement. Je t'ai jamais vu avec du vernis sur les ongles. On n'avait pas le droit. Ouais. Enfin bref, on va regarder du coup parce qu'il y a 3 kits. Donc apparemment, il y a un kit qui s'appelle Ambre et un kit qui s'appelle Charlotte et l'autre, je ne sais pas. Alors, on va regarder. Oh là là, il est trop beau. C'est le kit Ambre. C'est magnifique. Alors attendez, je vous le mets bien. Mais ça se présente comme ça. Alors ça se présente comme ça. Ah, est-ce que vous verrez avec le reflet? Attendez, je vais vous enlever la petite protection. C'est trop beau. C'est trop magnifique. Regardez-moi ça, c'est mat. C'est trop beau. Donc vous pouvez choisir effectivement vos tailles et tout. Voilà, enfin moi, du coup, comme on a papoté toutes les deux, elle sait que je porte pas des trucs hyper méga longs. Et elle a choisi exprès les couleurs et tout. T'as vu comment c'est trop beau? Je vais lui envoyer après un message. Donc vous avez le petit nom du kit, donc ça s'appelle Ambre. Comme ma nièce, je vous remontre comment c'est magnifique. Ah ouais, mais ça, et pour la pose automnale, ça va être... C'est ma prochaine pause. C'est ma prochaine pause. Donc c'est trop beau, à chaque fois vous gardez tout dans les boîtes. Et quand vous les enlevez juste la petite pastille. Vous savez, c'est cette petite pastille que vous venez coller sur votre ongle pour pouvoir après coller, enfin sur votre vrai ongle, pour pouvoir après coller le faux ongle par-dessus. Et après, bah, chez vous, vous l'enlevez assez facilement aussi. Et s'il en reste sur le faux ongle, vous avez juste à faire comme ça et ça part. Donc voilà. Et ça doit être le kit pour toi. Le kit Charlotte. C'est qui Charlotte? Il est trop beau. C'est pour qui? Alors ça, c'est le kit qu'elle t'a fait pour toi. Ah, c'est le mien. Regardez-moi ça. Wow. Allez, je le vois même pas alors que c'est... Bah attends, d'abord YouTube, toi après. Oh, oh. T'as vu? C'est magnifique. Un beau mauve comme ça. Non, c'est pas le même mauve. C'est beau quand même. Un beau mauve comme ça, moucheté. J'adore, je trouve trop beau. Avec mes gros doigts. Avec tes gros doigts. Non mais... En plus, mat comme ça, mais c'est trop, ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Et donc, effectivement, je tiens encore une fois à souligner que tout est fait à la main. Donc,
voilà, que c'est vraiment un travail de prothésiste que vous avez. C'est pas les pressonnes qu'on achète à droite à gauche, voilà, tout en plastique là. Bon, il y a du plastique forcément dans les pressonnes, mais c'est vraiment la qualité qui est... voilà, elle passe des heures dessus. Je sais qu'elle m'a parlé de sa créativité, elle m'a montré un petit peu ce qu'on s'est appelé en FaceTime. Elle m'a montré son atelier, son endroit où elle reçoit, où elle crée tout ça. Et magnifique, franchement, je sais qu'elle en passe du temps dessus, donc voilà. Et on a un dernier kit, et pas des moindres. Oh, trop beau. Il y a des ongles de pied dessus. Arrête. Trop bien. Ah non, mais c'est... Oh là là, j'adore. Il y a des ongles de pied. Oui, oui, il y a des ongles de pied. Ça tombe bien, j'ai cassé mon gros orteil, hein, je te montrais tout à l'heure. Je l'ai défoncé. C'est le Tressy. C'est qui t'a demandé de faire des ongles de pied? C'est ma sœur qui m'a demandé de faire les ongles de pied. Regardez, vous avez en haut les pieds. Et en bas, il y en a un qui s'est barré avec la chaleur. Vous avez pour les mains, et regardez, il y a une French dessus. T'as une French orangée corail comme les pieds. Donc c'est vraiment elle qui peint tous les ongles un par un. Tu sais, oh, qui... Elle travaille. Bah ouais, c'est pas des trucs... c'est vraiment unique, quoi. Et regarde la French qu'elle a fait sur les ongles de doigts pour le rappel avec des le pieds. Boule. Je vais mettre ça sur mes pieds, ça va être canon. Bah mets-le maintenant parce qu'après... tiens, ça a sorti à tes boucles d'oreilles en plus. Non, bah non. Aussi. Un petit peu. Un peu plus rose, les boucles d'oreilles. Je suis trop fan. Franchement, le travail, mais je... Waouh. Le travail, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai tellement, tellement envie de lui donner de la visibilité. J'espère vraiment que ça vous intéressera, que vous irez regarder et tout. Et encore une fois, je tiens à dire, ce sont des kits que vous pouvez réutiliser. Vous les jetez pas, les ongles, vous les gardez. Et vous pouvez les remettre, voilà, en fonction et tout. Bah, si vous avez un événement ou... voilà, le week-end, si par exemple, comme ma mère, vous êtes infirmière, vous ne pouvez pas avoir de vernis et que le week-end, vous avez envie de vous éclater et tout. Parce que c'est ce qu'elle disait, elle aussi, elle était un peu frustrée, travaillant dans le domaine de la petite enfance, elle était un petit peu frustrée aussi de ne pas pouvoir avoir des faux ongles, enfin de faire des pauses et tout. Et c'est vrai qu'elle me disait, faire une pause qui dure 3-4 heures pour un week-end, passer autant de temps pour l'enlever, ça ne vaut pas le coup. Voilà, pour juste un week-end. Donc, bah avec ça, vous êtes tranquille. Moi, je ne porte que des pressons. Je vous le dis tout le temps. C'est avec les petites capsules et tout. Et donc, bah, la semaine prochaine, parce que là, dans ce vlog, là, ils tiennent encore très bien, les miens. Mais la semaine prochaine, on va prendre un kit. Et du coup, je vous montrerai... On va le reposer ensemble et tout. Comme ça, je vous montrerai les étapes. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous explique toutes les étapes. Elle est déjà sur ma chaîne. Mais bon, là, on reposera ça ensemble parce que j'ai vraiment envie de vous remontrer ces petites merveilles. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc je vous remets tout, hein, de toute façon, dans la barre d'infos. Mais n'hésitez pas vraiment à... Pff, oh, c'est trop beau, quoi. Vernis classique, vernis semi-permanent, capsule américaine, extension en gel et création de pressonnel personnalisé. Voilà. Donc merci beaucoup, ma petite Marion, pour tout ça et pour tout l'amour que tu m'as apporté, Lana. Et franchement, je t'envoie plein de positivité pour que ton entreprise elle prospère et que ça soit encore plus de l'éclate et tout. Je sais qu'elle va faire du côté de Toulouse des marchés et tout ça de Noël. Elle va essayer de voir et tout ça pour avoir un max de visibilité. Donc n'hésitez vraiment pas. Franchement, je suis pas du genre à réclamer, mais n'hésitez pas à la suivre. Franchement, c'est quand on a des artisans comme ça qui essayent de vivre de leur passion, et bah ça fait du bien de pouvoir les mettre en avant et tout. Et de s'intéresser à ce qu'ils font. Donc voilà, moi, mon petit niveau, j'ai dit bien sûr que je vais en parler, ça c'est sûr. Puis en plus, c'est pas comme si j'étais pas adepte. Mais n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas à regarder dans la barre d'infos. Je vous remets tout. Et ça vaut le coup, franchement. Tu veux voir le kit Charlotte, là? Bon, c'est un des kits. Bon, je vais sortir les affaires qu'on a achetées chez Action pour vous les montrer. Alors, je viens de lui laisser un vocal. Je vous montre, on est parti chez Action, on a acheté... Ah non, et bye. On a acheté 2-3 trucs vite fait. Je me suis pris, oh, c'est lourd, un shampoing comme ça, à l'huile d'argan. Cette marque-là, c'est The Beauty Depp. Je l'aime beaucoup. J'ai tous les soins et tout pour les cheveux. Et là, j'ai vu qu'il avait sorti en shampoing. Donc, bah, je l'ai pris. Voilà.
Sinon, chez Action, on n'a pas pris grand chose. T'as pris. Ah si, ma mère, elle cherchait impérativement ce tapis pour mettre dans la salle de bain. Il est en 50 sur 80. Voilà. Et on l'a trouvé que dans un Action à Chartres, mais celui du côté de Carrefour. Donc voilà, alors que ça fait déjà 3 actions qu'on fait et qu'on ne le trouve pas. Donc voilà, à 7 euros et quelques. Sinon, on a... Ah oui, il y a ça. On a pris, parce que finalement, on va peut-être faire Halloween. On va avoir les petites à la maison apparemment pendant les fêtes. Et du coup, on a pris ça. Regardez. C'est trop beau. On a pris ça pour, bah pour, voilà, pour décorer et tout. Et on a retrouvé des nouveaux stickers comme ça pour mettre sur les fenêtres. Ça, c'est des stickers qui se voient dans la nuit, qui sont phosphorescents. Voilà. Donc ça, c'est pour ici. Mais moi, je m'en suis pris un, mais trop beau, que je vais mettre chez moi. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Et derrière, regardez. C'est trop beau. J'adore. Faut que je l'envoie à Nani, elle va kiffer. Je suis sûre qu'elle va vouloir aller le chercher. Regardez, il est trop beau. Donc ça, moi, je vais le mettre dans ma déco. Voilà quoi. Donc, on a pris de quoi faire des pizzas pour ce soir. Ah oui, t'as repris un taille-crayon aussi, comme ça. Elle a mis des piles dedans, c'est pour ça qu'elle l'a ouvert. C'est un taille-crayon électrique. La dernière fois, on en avait acheté un. Et puis, du coup, c'est ma nièce qui l'a récupéré. Alors, on en a repris un. Et ouais, on a pris de quoi faire des pizzas pour ce soir. Le petit, on va aller chercher à 4h30. Et puis, ah oui, t'as pris des chaussettes. Mais bon, après, des chaussettes pour la patate. Ah si, je me suis acheté aussi, j'ai été chez Kiabi. Bah oui, on avait, la dernière fois, je vous ai présenté les petits mocassins léopard chez Kiabi. Et il y avait les mêmes en noir. Mais je ne les voulais pas en noir parce que les petits mocassins comme ça, noirs, j'en ai déjà. Mais il y en avait d'autres avec des plus grosses semelles que je recherchais. Et il y en avait chez Kiabi. Sauf qu'à Kiabi de Dreux, il n'y avait plus ma pointure. Et là, on a été à donc, celui de Chartres. Et il y avait ma pointure. En fait, moi, je fais du 40. Mais j'ai pris 41 parce que le 40, il est beaucoup trop serré. J'aimais pas. Et en fait, c'est avec les grosses semelles comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris 41 et 22 euros. Partant de verglas, tu glisses pas avec ça, toi. Non, je vais faire du patinage artistique comme ça. Parce que ça, je me dis, avec des petites chaussures et moi, tout. Moi, je trouve moche, mais bon. Ouais, c'est pas ton style. Bah, tu dis ça, mais quand tu les verras porter. Voilà. Ouais. Donc voilà, j'ai pris mon ordinateur. Bah là, c'est ma caméra. J'avais pris ma caméra aussi. J'ai 2-3 trucs à faire. Faut qu'on fasse une TDJ pour TikTok et tous les tralala. Et puis on se retrouve plus tard. Je sais pas si ça. Normalement, ça s'est bien passé, le collège. Et il vous donnera sa première impression. On le fera parler, on lui tirera les verres du nez. Nouvelle journée. On est mercredi. Hier, je vous ai pas pris parce que j'avais pas grand chose à vous raconter. Hier, j'ai fait que des mails et du montage. J'ai mis. Comment dire ? J'ai trié toutes mes boîtes mail, parce que j'en ai 5 quand même. J'ai tout trié, tout ça et tout ça. Bon, moi je trie au fur et à mesure, vous savez, dès que j'ai des mails, j'ai des onglets et tout ça, mais il y a des trucs que j'avais depuis 2016, même avant. Donc j'ai tout trié, je me suis dit, ça sert à rien que je garde des trucs et tout. Donc, bah écoutez, j'ai fait ça hier, j'ai fait aussi le tri dans mes parfums. J'avais beaucoup de parfums et tout. En plus, hier, j'ai reçu un message de Nox pour me renvoyer des nouveautés. Donc, j'ai dit, bon, allez, où il n'y a plus de place, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai ce qu'il faut. Il y en a qui sont en train de se terminer. Et justement, j'ai fait la liste de Nox, de ceux que je préférais et ceux que j'aimais moins, ceux que je reprendrai pas et ceux que je reprends à coup sûr, comme le chéri... Je sais plus, de chez Tom Ford, le Cherry, je crois que c'est le 912, le bois d'argent aussi que je reprends à chaque fois. Il y a celui-ci aussi que j'aime bien. Voilà, c'est dans un autre flacon Nox, mais c'est de chez Jo Malone, c'est le English Pears and Freesia. Voilà, qui sent juste trop bon. Donc voilà, j'ai fait plein de trucs et tout.
Et là, c'est vraiment tout ce qui est brume. Et là, ici, vous avez les parfums, parfums. Voilà, puis j'en avais qui étaient un peu terminés et tout, j'ai regardé. Donc voilà, j'ai fait ça hier, et devant Gilmore Girls, forcément. Ça y est, j'ai commencé la 4e saison, Rory à l'université. Voilà. Et donc, plein de rebondissements aujourd'hui, parce que je savais de toute façon qu'aujourd'hui, j'allais vous prendre. Parce que comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui il y a Nawel qui vient passer la journée avec moi. Je suis trop contente, donc Nawel de Harmonie d'ailleurs. La petite créatrice, celle qui m'a offert aussi pour mon anniversaire. Et je cherche une bougie, mais les bougies Harmonie d'ailleurs dont je vous parle souvent. Elle habite dans le 44, à côté de Nantes, donc du coup elle vient et tout ça, elle est venue passer 2-3 jours là avec son mari et son petit chien, donc on a prévu de se caler, pour se voir et tout ça, de se caler une après-midi. Alors normalement elle devait venir en début d'après-midi, on devait passer l'après-midi ensemble et aller ce soir sur Chartres pour voir la cathédrale, les Chartres en lumière et tout, mais gros changement de plan, encore une fois je vous dis, c'est le vlog du rebondissement. Parce que je commence un nouveau travail demain matin. Voilà, ça s'est fait là ce matin. J'attendais une réponse. Donc c'est bon, voilà, je suis contente. Donc je lui ai dit ce soir, ça va être un peu chaotique. La cathédrale, ça va pas être possible. Parce que j'ai pas envie de me coucher à je sais pas quelle heure. Donc là, ils me rejoignent. Ils vont arriver d'ici une demi-heure, je pense, à peu près. Ils me rejoignent et puis du coup, on va manger ensemble ce midi. Bon, il est déjà 11h30. Hein. Mais je l'ai su là, il était 11h15 quand j'ai eu ma réponse. Et puis du coup, on va aller sur Évreux. On va aller au centre commercial MacArthur Glen Paris-Giverny, dont je vous parle tout le temps, qui est dans le 27, à côté d'Évreux. Et puis voilà, avec tous les trucs Hotlate et tout. Là, je viens de recevoir un message, ça se trouve c'est elle qui me dit qu'elle part. Donc voilà, j'ai très hâte de la rencontrer parce que je ne l'ai jamais vue en vrai, même si j'ai l'impression de la connaître depuis... Ça a fait exactement la même chose avec Nani et Nico. Quand on s'est vus, c'était vraiment mais normal, quoi. Tellement on passe d'heures au téléphone, c'est un truc de dingue. Donc voilà, bon, on a toujours Mademoiselle qui dort, voilà. Et puis moi, je vous reprends quand Nawel sera là. Je suis trop contente. Regardez avec qui je suis. Coucou. Ça y est. On s'est enfin rencontrés. Bah ouais, il était temps, franchement. Non, je ne sais pas montrer ton mari, ouais. Ah oui, il voudra pas. Ça y est, on est au centre commercial MacArthur Glen Paris-Giverny. Et on a plein de choses à se dire. Oui. On n'arrête pas de papoter. Et franchement, c'est un délice. Et voilà pourquoi je vous ai dit qu'on n'allait pas se voir. Ouais, tout de suite. Il l'a dit du coup. Non, je l'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit vous allez voir où je serai. Voilà, je suis avec Paris. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, mais c'est ce qu'on disait. Ça y est, on fête nos 1 an de rencontre virtuelle. Ça y est. Voilà. Et on a concrétisé ça. C'est ça. Donc là, ouais, on va manger un petit bout là. Hein. Enfin, on va manger tout court. Oui. Et puis on va en profiter et tout. Franchement, on a plein de trucs à se raconter. Oui. On est vraiment. Et je leur fais découvrir en même temps un petit peu ce qui se passe autour de nous, dans notre belle région. Oui. Donc voilà, mais ça fait trop plaisir. Oui. Et elle m'a amené des nouvelles créas de boucles d'oreilles. Vous allez voir. Je vous montrerai tout ça en rentrant. Hein. Ouais, vous non mais. C'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Les Bretons sont arrivés. Voilà, on est arrivés. Donc voilà, là on va manger et on vous reprendra plus tard. Et je filmerai aussi pour ma petite vidéo. Ouais. Voilà. Bisous. On a mangé dans un super resto qui est juste là. Ça s'appelle le Beau quelque chose. Beau Bolaine. On a mangé des pâtes à la truffe, c'était très bon. Après on est parti vite fait chez L'Oréal. Ouais, moi aussi j'ai acheté des trucs, ils sont là. Ouais, du coup. Et puis là, son mari, il est quelque part. On va le retrouver. Normalement, il est chez Cannes, une Karine. Je sais pas où il est. Ouais, je crois que... Je suis pas sûre que ce soit par là. Soit c'est par là, soit c'est par là. Enfin, en tout cas, on va le trouver, quoi qu'il arrive. Ah, j'ai l'odeur du parfum. Oui, du coup, je l'ai amené dans le magasin L'Oréal. Juste là où c'est le Hotlate, où vous avez tout le groupe L'Oréal. Et elle a senti les parfums réplica qui sont là-bas. Et puis voilà, c'est trop... Franchement, je suis trop contente. Peut-être dans une prochaine vidéo, vous le verrez.
Ouais. Mais je suis trop contente, c'est vrai. Oui. Franchement. Et ouais, je sais pas. Tout était fait pour qu'on se rende compte. Oui. C'est un truc de dingue. Et il fallait qu'on programme ça. Et on avait déjà parlé, mais on l'avait pas encore dit. Et on a plein de projets de toute façon. Oui. Ça ne s'arrête pas là. Enfin, bon là, faut déjà retrouver le mari. Voilà, faut retrouver le mari. En plus, c'est très grand. Donc... Et t'as pas vu, il y a tout le tour. Ah oui, bon. J'ai pas vu. Ouais, ouais. Attends, ça fait tout le tour, ça tourne en rond. Bon allez, go, on vous retrouve après. On est chez Teddy. Et du coup, ça donne ça. On sait pas quoi choisir. Mais attendez, regardez. C'est trop mignon. Bon, je vais prendre celle-là. Parce qu'il paraît qu'on a déjà pris des trucs. Oui. Ah ouais, elle s'allume. Bah oui. Et regardez ce qu'ils ont fait. Noël. Mais je l'avais pas celle-là. Celle-là aussi, elle s'allume. Je sais pas. Celle-là aussi. En plus, elle change de couleur. Oui. Oh mais non. Je sais pas laquelle prendre, moi. T'as vu, lui, il est mignon. Ah oui, je l'ai pas vu, lui. Il s'appelle... je sais pas. Tu l'as, lui? Non. Non. Les gars, vous m'avez perdu. C'est Noël. Oh non. Regardez-moi ça. Elle est débordée, la pauvre. Oh non. Bah là, ils ont mis que... Mais de l'autre côté, là, on voit un peu. On voit un peu des trucs. Tu vois, ils ont mis un peu des trucs, mais on ne peut pas y accéder encore. Oh là 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 là. C'est trop mignon. Donc tu vois, je te fais découvrir Teddy. Ouais. Mais qui suis-je? C'est ça. Celui-là, qui est-elle? Je pense. Marie, faudrait que tu l'essayes aussi. Par contre... Non, ouais, ouais, ils ont mis plein de trucs de. Regarde les masques là, là. Ah oui, attends, je vais essayer. Ah non, celui-là. Oh, celui-là, attends. Mais c'est dingue ça. Il est moumoute le truc. Ouais, mais tu vois, ils sont un petit peu. Ah, ils ont mis des faux ongles d'Halloween, là, j'avais pas vu. À 3 euros. Oh non, tu fais flipper. T'imagines, tu mets ça dans le lit le matin, ton mari se réveille à côté de toi, il voit ça. J'hésite à acheter ça justement. Non, il y a plein de trucs, regardez, ça c'est marrant. Ah oui, non, c'est... À 15 euros ça quand même. Ouais, mais bon, c'est une déco que tu gardes tout le temps, quoi. Oh, regarde les petits chats. Là, c'est tout ce qui est vraiment Halloween et tout. Regarde celui-là. Oh là là. Mais ça, c'est quoi? C'est une toile? C'est ouais, je sais pas ce que c'est, mais... Oh, c'est quoi ça? C'est un masque ou... Et ça, c'est cool, regarde, tu fais une fête avec des enfants et tout. Ouais. C'est pas mal. Il y a des boucles d'oreilles. Tiens, bah tiens. Encore des citrouilles. Alors, les boucles d'oreilles, vous allez les avoir chez Harmonie. Voilà. Voilà, vous allez les avoir chez Harmonie, les boucles d'oreilles. Voilà. Attends, je peux mettre en grand angle. J'aurais pu, tu vois. Depuis tout à l'heure, je suis en... Ouais, on est en train de regarder, du coup, les boucles d'oreilles. Et chez Harmonie, d'ailleurs, vous allez avoir des boucles d'oreilles comme ça. D'Halloween. Ouais, voilà, on d'Halloween. Va vous les montrer dès qu'ils vont arriver. Ça voilà. Va être une dinguerie, parce que moi, j'ai déjà vu. Voilà. Alors, un artisan syrier devant. Devant des créations. Fabrication provençale. Voilà, je vous avais déjà montré cette marque Mistral d'essence. Et du coup, elle est en train de tout découvrir. Ça sent bon, t'as vu, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Et il y en a plein. En fait, on est dans la jardinerie Favennec. Vous avez carrément un stand de Yankee Candle et plein d'autres trucs. Donc, je voulais lui montrer. On se retrouve bien plus tard, parce que là, il est plus de 20h. On ne devait pas passer la soirée ensemble, du coup on va aller manger. Mais avant de manger, je voulais vous montrer 2-3 petits trucs qu'on a achetés et tout chez Teddy. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. Il est à 8 euros. Franchement, ils ont déjà commencé, comme je vous ai montré tout à l'heure, à mettre les décos de Noël. Donc voilà, je me suis dit je vais le prendre, sinon je le retrouverai pas. T'as vu? Oui. Et chez Teddy, toujours. Oui, bah j'ai pas pu non plus. À 2 euros. Elle est trop mignonne. Je pouvais pas la laisser. Ouais, du coup. Voilà. Exactement. Par contre, celle-ci, elle va avoir du mal à rentrer. Ah oui. Et elle est à 6 euros, celle-ci. Si, là-bas, dans le petit tabouret. Ouais, mais j'ai peur parce que des fois, Mina, tu sais, s'assoit sur le tabouret. Ah oui, alors ouais. Bon, je vais peut-être pas... On va lui trouver une place. Et du coup, je l'ai amené dans la jardinerie où je vous ai montré encore une fois. J'ai fait un petit passage
Et je lui ai montré donc les bougies Mistral d'essence. Why? C'est dur à dire. Et on a craqué pour la même. La bougie... Oh, ça fait pas de focus, voilà. La bougie patchouli corsée qui sent, mais trop bon. Et comme il a dit ton mari, il y a du clou de girofle dedans. On a l'impression, alors que apparemment pas du tout. Pour moi, il y a du clou de girofle dedans, c'est pas possible. Et tu m'as dit de l'anis, toi? Ouais, tabac vanillé ou anis. Ouais, il y a un truc un peu tabac et tout ça. Et voilà, et je voulais vous montrer vite fait avant qu'on aille manger. Elle m'a offert des nouvelles créations, je vous les porterai plus tard dans la semaine. Elle m'a offert des toutes nouvelles créations pour l'automne. Donc c'est de l'exclusivité là, les gars. Regardez-moi ça. Avec les nouveaux packaging qu'elle a acheté, que tu as présenté du coup dans ta dernière vidéo. Regardez-moi ça. Donc à l'intérieur, on a des feuilles d'or. Voilà. Et des branches de fleurs marron. Non mais c'est... Et bien comme sûr, des pommes de pain. Le fermoir, c'est du de l'or 24 carats. Exactement. Aussi. Donc ça, c'est... Voilà. Et j'ai eu également une autre petite nouveauté. Ah, petite, non. Regardez-moi cette beauté. Oh, trop beau. Regardez-moi le je sais pas comment t'appelles ça. L'assemblage. L'assemblage. Mmh. Avec des petites fleurs violettes et tout à l'intérieur. Toujours les feuilles d'or. C'est trop beau. Et toutes ces créas, on peut les retrouver à partir de quand sur ton site? Je vais les mettre. Voilà, je vais montrer. Je vais les mettre la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est parfait. Le vlog il sort samedi. Et voilà. Bon, on va manger. Voilà, let's go. Je voulais juste vous montrer ça. Et mon sucre d'or géant. Hein. Et puis voilà, que la soirée continue. Nouvelle journée. On est jeudi, il est 8h29, il fait super nuit dehors et il pleut. Heureusement, hier on a eu un grave beau temps, franchement. Mais là il pleut. Je suis prête, je commence à 9h du coup. J'ai mis toujours les boucles d'oreilles, Harmonie d'ailleurs. Je me suis fait piquer là, je me suis fait attaquer. Ouais, bon, il y a aussi un peu de... J'ai mangé trop de chocolat. J'ai remis ces petites boucles d'oreilles, toujours avec les petites fleurs séchées et les feuilles d'or à l'intérieur. Ça, c'est celle qu'elle m'avait déjà offert la dernière fois, Nawel. On a passé une super journée hier, franchement. Elle m'a offert aussi un kunyaman, que je ne vous ai pas montré, qui est du coup dans le frigo. Et franchement, c'était une journée pleine d'amour. Ah, j'ai adoré les rencontrer et tout. Enfin, voilà quoi, j'ai... C'était... Trop bien. comme quand j'ai rencontré Nico et Nani et le mari de Nico, comme si on s'était toujours connus quoi. Et c'était vraiment, on voulait pas se lâcher. Et c'était pas prévu le soir qu'on mange ensemble, mais du coup on est parti dans un petit resto à côté de la maison. Et puis ils ont décollé vers 21h30. Voilà, après moi le temps de me laver, de me mettre au lit, voilà. et puis ce matin, réveil à 7h30. Tranquille, ça va être une très longue journée aujourd'hui parce que c'est une journée de formation. Et il m'a dit, parce que du coup, je ne vous ai pas expliqué, bon je vous dirai toujours pas où je travaille, peut-être que je vous réexpliquerai ça un jour ou pas, mais il m'a dit en fait que ce serait un contrat en 26 heures, donc c'est bon, en temps partiel, reconnu, travailleur handicapé et tout et tout. Et... Mais par contre, là, je pense... Alors, attendez, hop, je pose mon coude, voilà. Ah, oh, c'est mieux comme ça. Je pense que, vu que je commence un jeudi, il me fait... pour que je perde le moins, je pense qu'il va me faire une grosse semaine. Il me l'a dit. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée de 9h45. Mais j'étais au courant. Il m'a demandé si ça allait... si elle allait être OK et tout. J'ai dit oui, pas de problème. En plus, la personne qui m'a fait passer mon entretien et que j'ai eu au téléphone, c'est une personne aussi en situation de handicap. Donc voilà, il sait et tout, pas de problème, enfin, super gentil, franchement, j'avais trop hâte qu'il m'appelle, je vous l'avais pas dit parce que je voulais pas me porter la poisse, que j'avais eu un entretien et tout, et j'avais trop hâte qu'il m'appelle et tout ça, il m'avait déjà contacté quand j'avais commencé l'autre travail là que je viens de terminer, et du coup j'avais dit bah, que j'étais en formation et que j'étais disponible à partir du 14 août, et trop gentil parce qu'ils ont attendu et tout, enfin bref. Et puis... aujourd'hui, donc, je fais 9h-13h
14h, 19h45. Il m'a dit ça va être une journée formation et tout. Et c'est ouvert du lundi au dimanche. Voilà. Donc je vous dirai tout ça, comment ça se passe et tout. Je vous en parlerai un petit peu plus et tout ça, savoir où je travaille et tout ça et tout ça. Mais pour le moment, c'est pas le, là n'est pas la question. Là, je commence et puis quand je saurai un peu plus, parce que là, c'est pas un CDI qui me fait, c'est un remplacement là. Donc on verra comment ça se passe. Mais une fois que on rentre dedans, on rentre dedans entre guillemets. Donc bon, je suis prête et pour ma journée, et même si ça va être très long, j'ai hâte. Je pense que ça va passer très très vite, mais je vous reprendrai plus tard. Là, j'ai ma batterie qui clignote. Donc voilà, il faut que je commence à faire le montage du vlog parce que j'ai toujours pas commencé. Je pense que je commencerai ce soir en rentrant. Voilà, devant Cleaners, parce que Cleaners, nouveaux épisodes, c'était hier soir, ça a recommencé. Donc je vais regarder ça. Et il faut aussi que je rattrape les traîtres parce que j'ai pas vu les derniers épisodes des traîtres. Oui, je regarde aussi les traîtres. Les traîtres. Bref, on se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard parce que là, il est un peu plus de 20h, vous êtes penché bizarrement, voilà. Il est un peu plus de 20h, j'ai fini à 19h45, je suis rentrée et tout. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que... Ah oui, je reprends du coup mon agenda, mon agenda. Hop, parce que je ne l'avais pas du tout commencé en septembre, voilà. Je m'étais arrêtée à l'autre boulot. Et là, je suis en train de noter mes heures et tout. Donc, c'est cool. J'ai des heures qui sont plutôt sympas, en vrai. La semaine prochaine, j'ai eu mes heures et c'est plutôt sympa. Là, pour l'instant, c'est un contrat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, jusqu'au 15 et qui va être plus si affinité. Donc, voilà. J'avais même acheté un petit calendrier comme ça. Donc, je note mes heures. Et voilà, journée. Et franchement, je suis trop contente. Journée très épuisante parce que c'est très physique. Je pensais pas que ce serait autant physique. Et ils le savent et tout ça. Donc j'ai une position assise et tout. Mais bref. Et du coup, j'ai pris un petit spiff en rentrant. Et voilà. Donc là, objectif de la soirée. Le ciel, ça commence déjà à faire nuit. Objectif de la soirée, ça va être de faire le montage de ce vlog. Je vais arrêter le vlog ici. Et je vous reprendrai sûrement ce week-end. Voilà. Et je vais arrêter le vlog là, ouais, parce que du coup, demain, demain j'aurai le temps, parce que je finis à 14h. Mais je veux être tranquille et tout ça pour pouvoir me reposer de mes émotions. Et puis vendredi, samedi, je termine tard. Mais au pire, je vous prendrai pas samedi, je vous prendrai dimanche. Enfin, bon, de toute façon, vous inquiétez pas, on se retrouvera. Donc je vais clôturer le vlog maintenant pour que je puisse faire le montage là. Et puis voilà, je suis trop contente, cette semaine elle a été vraiment pleine de rebondissements et encore une fois je suis hyper contente. Je remercie beaucoup Super Coquette pour ses super ongles, pour m'avoir envoyé les capsules. La semaine prochaine on les mettra ensemble en vidéo. On fera peut-être ça dimanche. Et puis merci beaucoup à ma petite Nawel et son mari d'être passé me voir et tout ça. Et voilà, ça a été un amour réciproque. Et j'ai très 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 hâte de la revoir. Et voilà. Donc écoutez, moi je pense que ce soir je vais faire un gros dodo. Mais en attendant, je vais faire un gros montage. Je sais pas trop ce que ça va donner le montage. Parce que comme il y a plusieurs petits plans et tout. Mais écoutez, c'est pas grave, même pas peur. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai l'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.